Comment repérer des pervers narcissiques sur des photos? Alors, bien sûr, on va pas les repérer que comme ça, c'est encore mieux quand on sait décrypter leur comportement, mais déjà, c'est un indicateur de plus pour savoir si oui ou non une personne est manipulatrice et perverse narcissique. Alors, le but, c'est savoir est-ce que la personne est toxique pour moi ou non, et qu'est-ce que je dois faire de cette relation-là? C'est simplement de ça qu'il s'agit. N'allez pas forcément plus loin. Est-ce qu'il y a un trouble de personnalité? Ou est-ce que cette personne a deux troubles de personnalité? Enfin bref, peu importe. On n'est pas là pour poser des diagnostics, mais pour se protéger et pour établir de vraies belles relations. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Et parce que ça grandit la vie d'avoir dans sa vie une belle personne. Et ça amenuise beaucoup la vie d'avoir une mauvaise personne dans sa vie. Ça peut même changer vraiment la donne. Alors, première chose que j'ai à vous dire, c'est que sur les photos, on va voir une personne qui se met beaucoup en scène, qui fait semblant, qui fait des mimiques exagérées. On va voir aussi une personne qui généralement met beaucoup de valeur sur son physique, surtout si cette personne est célibataire. C'est différent quand un pervers narcissique est en couple. Là, cette personne va se laisser aller, être moins ragoûtante, moins propre, etc. Ça peut être une des manières d'agresser l'autre et donc il ne s'en prive pas. Malgré tout, il cherche toujours à séduire, à être avenant, à paraître être une belle personne. Et l'apparence prend beaucoup de place. Et donc là, vous allez voir un monsieur, par exemple, beaucoup en costume ou avec une petite chemise blanche, quelque chose qui est tout le temps la même chose. Vous allez aussi voir sur les photos les mêmes expressions faciales. Or, normalement, nous avons beaucoup d'expressions faciales différentes. Quand vous regardez, par exemple, un réseau social avec plusieurs photos, la personne, une fois sourit, une fois est passive, une fois a l'air de réfléchir, mais tout ça, vous ressentez si ce sont des vraies émotions ou si c'est surjoué. La personne qui se prend en photo, effectivement, c'est un petit peu qu'elle est prise en photo la plupart du temps, mais la plupart du temps aussi, vous allez voir des photos de groupe, des photos où c'est impulsif, où c'est pas prémédité, on va dire ça, et vous en aurez beaucoup plus ce type de photo-là chez des personnes qui justement n'essayent pas de maîtriser les apparences. Donc ça va être une photo où on est un peu mal coiffé, une photo où on a une mimique où on était en train de parler, donc c'est pas top sur la photo, mais peu importe, on s'en fiche un petit peu, on se dit ça fait partie du game, du jeu. Au fond, ce qui m'intéresse peut-être moi, c'est de montrer que oui, j'étais à ce mariage, à cette soirée, à ce truc-là, qu'on a partagé un moment. Puis cette photo, elle me parle parce que c'était un bon moment. Et ben, pour les pervers narcissiques, il n'y a pas cette notion de bon moment, de rapport aux autres, etc. Donc, ils vont pas laisser des photos comme ça d'eux. Au contraire, ils vont être tout le temps avec la même tête, comme impassible, mais toujours avec les commissures des lèvres vers le bas. On dirait qu'ils râlent un petit peu en permanence. Ben oui, ce sont des personnes frustrées. Et justement, quand vous regardez les vignettes, par exemple, sur les vidéos, et cette personne a toujours la même tête, alors évidemment, si c'est toujours la même photo, forcément, cette personne a toujours la même tête, mais généralement, on change de tête, on n'est pas forcément le même, et vous sentez si c'est naturel ou pas. Vous sentez si c'est surjoué. Donc attention aux personnes qui surjouent beaucoup à ce niveau-là, qui vont vous faire des têtes comme ça. Si je fais ça, on sait bien, c'est bizarre comme émotion, ça n'a pas lieu d'être, tiens, qu'est-ce qu'elle fait comme émotion? On sent que c'est surjoué, que c'est pas authentique en fait. Hein. La personne qui va faire semblant d'être sympa va vous mettre des photos où elle sourit mais toujours de la même manière, le sourire est rigide et quand on compare vraiment les photos, on se dit mais c'est vraiment la même mimique, c'est toujours la même tête en fait. Hein. Et justement, eux, ils sont beaucoup plus capables de ne pas avoir d'expression, d'être impassible. Je suis impassible. C'est bizarre. Et justement, vous voyez bien que dès que je reprends ma vidéo, le visage s'illumine, on a des gestes qui sortent d'ailleurs, hein, très, très fortement. Donc les personnes qui sont plus émotives d'ailleurs vont montrer beaucoup plus d'émotions, mais la plupart des gens ont beaucoup d'émotions différentes sur leurs photos. Tandis que les pervers narcissiques, ils présentent ce qu'ils pensent qu'ils doivent présenter. Ils se conforment beaucoup à la société. Et justement, un pervers narcissique est très narcissique, essaye de maîtriser son image. Et vous allez voir que cette personne essaye de maîtriser son image. Donc je ne parle pas seulement du fait de bien s'habiller, bien se maquiller, etc. Ici, on voit que je suis un peu maquillée, etc. Mais je ne suis pas vraiment hyper coiffée. Parfois, vous voyez bien que je m'en fiche un peu. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'un pervers narcissique fera généralement. Généralement, sur les réseaux sociaux, sur les photos, cette personne va essayer de maîtriser
son visage. Et donc, il y a un excès de maîtrise. Il y a aussi peut-être une personne qui va être comme ça, donc qui va tenir les autres, mais comme ça. On sent qu'il y a une maîtrise des autres, une maîtrise aussi de soi-même qui est anormale. Donc ça aussi, ce sont des choses à détecter, à observer, parce que ça fait partie de ce qu'on détecte sur les photos. Autre chose sur les photos, c'est la mise en avant-plan. Donc quelqu'un qui va se photographier beaucoup, ou justement se mettre fortement à l'avant-plan par rapport à d'autres personnes, qui va tenir d'autres personnes derrière, parce qu'il faut qu'on le voit. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui se cache, parce que justement c'est quelqu'un qui ne veut pas être détecté. Forcément, si on sait comment ils sont, ils auront moins de possibilités de manipuler. C'est aussi quelqu'un qui va paraître plus renfermé, triste, timide ou en colère sur certaines photos. Surtout la colère est un indicateur. Et qui va en même temps, à certains moments, être plus dans l'arrogance, dans « je me tiens comme ça sur un banc ». Vous voyez, je suis avec les épaules comme ça posées sur, voilà, sur quelque chose. Ça veut dire « je prends de la place », quoi. Je prends trop de place quelque part et j'ai l'air d'avoir un petit sourire comme ça satisfait, hautain, comme ça, un côté un peu hautain. Vous voyez, ça, tout ça, attention, parce que ça montre quand même que la personne, elle switch d'un comportement à l'autre. Donc, elle peut se montrer comme bienveillante et puis switcher complètement. Je rappelle que la bienveillance des pervers narcissiques n'est pas une vraie bienveillance et quelque chose de faux. C'est pas une vraie empathie. Ils vont lire les autres, être attentifs aux autres, justement fixer beaucoup les autres comme ça. Et vous avez toujours ce comportement à se rapprocher beaucoup de la personne, à envahir l'autre physiquement. Et ça peut se voir aussi sur les photos. Quelqu'un qui est extrêmement collé à quelqu'un d'autre tout le temps, trop proche, ou se place devant, ou ennuie quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui va tout le temps mettre des coudes comme ça à quelqu'un. Donc effectivement, tout est dans l'apparence. Donc détecter, est-ce que cette personne a l'air d'être dans l'apparence, a tout le temps les mêmes visages, c'est tout le temps la même expression, il y a peu d'expression sur le visage, c'est aussi quelqu'un qui va tout faire pour paraître être sympathique, paraître être dans la maîtrise, on le sent dans la maîtrise, il y a vraiment une hyper maîtrise et beaucoup peut-être de colère. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être aussi recopier des phrases toutes faites, des citations. Souvent ils n'ont pas beaucoup d'imagination, hein, donc ils recopient les choses à gauche, à droite, donc ils font semblant de quelque chose. Donc quelqu'un qui sort beaucoup de citations, qui met des belles paroles qu'on trouve inspirantes et tout ça, attention, parce que ça peut aussi ne pas venir d'eux et donc du coup être une forme de décalcomanie. Donc ils font semblant, mais en recopiant ce qui a l'air le plus bienveillant ou le plus... Certains, par exemple, vont beaucoup jouer de l'amour comme ça, dire que l'amour c'est formidable, que être en couple c'est formidable. Ils vont étaler beaucoup ça, cette idée-là, hein, c'est étaler l'idée, pas la personne, hein, parce que généralement ils ne mettent pas en avant les autres personnes. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de switch au niveau des relations, donc qui change très vite de relation. Généralement, les pervers narcissiques ne sont pas très bons pour conserver les relations parce que les autres vont sentir qu'ils sont utilisés. Donc, généralement, sur les photos, soit ils sont tout le temps tout seuls, genre je me photographie dans ma voiture et je suis toujours dans ma voiture, ou je suis toujours tout seul sur la photo. Mais c'est un petit peu bizarre à un moment donné qu'il n'y ait pas toujours les mêmes amis, le même groupe, etc. Ça peut être aussi quelqu'un que vous voyez sur les photos regarder les autres en coin, comme ça, les jalouser, hein, c'est « je suis jaloux de toi ». Ça, c'est vraiment une attitude typique. Et épier toujours les autres. Donc ça, on peut voir ça sur des photos de groupe, etc. Donc de la jalousie, de l'envie, avec le visage, j'avais déjà parlé du visage qui était... Vous voyez, ce côté ouvrir la bouche et regarder l'autre, ça fait vraiment « je t'envie, je voudrais être à ta place », etc. Donc ils ne sont pas bien dans leur vie, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est aussi des choses qu'ils essayent de cacher, des relations qui se disloquent, qu'ils essayent de mettre beaucoup en lumière ce qui va soi-disant bien dans leur vie. Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux, les apparences, hein, mais ce ne sont que des apparences. Et c'est pour ça qu'on va avoir cette illusion que cette personne va bien dans sa vie, alors que généralement, ce n'est pas le cas. Ça peut être aussi quelqu'un qui a dit que ça n'allait pas et qui, tout d'un coup, efface ce message-là. Donc, ils vont
aussi tout le temps essayer de contrôler qui voit quel message. Donc vous limitez sur les réseaux ce que vous pouvez voir. Aussi beaucoup, beaucoup utiliser les autres, bien entendu. Et vous verrez qu'il y a quelque chose qui est dissonant, qu'au niveau de l'émotion, ça ne semble pas être une vraie émotion, que sur certaines photos, il y a certaines choses, sur d'autres photos, il y a d'autres choses, mais généralement, de façon générale, pas beaucoup d'émotions différentes. Et quand il y a des émotions différentes, elles semblent être singées, comme un masque, comme quelque chose de figé. Vous sentez que la personne a pris la photo en se disant, je vais faire cette tête-là, par exemple, hein. Et donc, effectivement, que ça pose question. Donc attention à ça, c'est une façon de repérer les pervers narcissiques sur des photos. Bien sûr, n'utilisez pas que les photos, utilisez toutes les infos que vous avez sur les pervers narcissiques, puisque j'ai déjà une chaîne que je vous invite à découvrir qui s'appelle Une psy à la maison et qui contient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos justement sur les pervers narcissiques, sur comment les détecter, comment se réparer, comment avancer, comment effectivement se parler à soi, etc. Et j'ai aussi beaucoup de formations qui vous invitent à vraiment prendre étape par étape toute la procédure pour se régénérer, se réparer, faire son deuil, avancer, se sentir mieux après ce type de relation parce que c'est important et surtout comment faire de ça un tremplin pour grandir sa vie, pour s'épanouir dans la vie et pour faire en sorte que ça ne nous arrive plus. Donc voilà ce que je vous propose. Donc je mettrai les liens en barre d'infos. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker, à partager et aussi à visiter mon autre chaîne Une psy à la maison parce que vous avez beaucoup de capsules gratuites donc qui ont été faites déjà à partir de 2015 puisque j'étais la première personne à explorer ce sujet sur YouTube parce que ça n'existait pas tout simplement. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et dans tous les cas on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye!